Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une démonstration de String2URI. String2URI, c'est un outil d'interconnexion de données conçu à l'origine pour DataLift, mais qui est aussi utilisable ailleurs ou même en standalone. Donc, pour des informations sur cet outil, vous pourrez aller à l'adresse suivante, qui contient les codes sources, quelques exemples, et également ce qu'on va utiliser pour la démo d'aujourd'hui. Donc la démo d'aujourd'hui, je vais la faire via une application créée pour l'occasion qui s'appelle Sesame Siri sur macOS X 10.6.8 avec des données qui viennent de PASSIM, donc un extrait de PASSIM, et un extrait des données de l'INSEE sur le département de l'Hérault. Donc côté INSEE, on va avoir des données qui ressemblent à ça et on va interconnecter les communes de l'INSEE avec, pour PASSIM, la propriété CityThrough. En fait, on s'intéresse particulièrement à la TAM qui passe par les communes, toutes celles qui sont là en fait. Et donc ces communes, les chaînes de caractères qui les décrivent, vont être remplacées par les URI du jeu de l'INSEE. Alors, pour ce faire, je vais lancer mon outil Sesame Siri en lui donnant l'adresse de mon serveur Sesame actuel, donc qui est en local. Je vais lui dire que je vais prendre les données du jeu GeoInsee, donc ça c'est le dépôt sur le serveur Sesame, et en sortie c'est le jeu que j'ai appelé PASSIM propre. Alors je veux interconnecter sur le prédicat côté INSEE geo2.nom et côté PASSIM CityThrough, donc c'est celui qui est écrit pour rappel ici. Et geo2.nom ce sera le nom des communes à comparer avec ces noms-là. Alors, je reprends mon outil. Voilà. Donc, je lui précise que je veux uniquement des géos de points communs. Et côté sortie, rien besoin de préparer de pré... Pardon, de définir de plus. Je mets les données à jour. J'en suis sûr. Et je vais stocker les requêtes sur le bureau pour l'exemple. Voilà, donc la comparaison est en cours et les requêtes ont été écrites, la comparaison est terminée. Donc comme c'est un jeu de données d'exemple assez petit, ça a été très rapide. Je ferme mon outil. Un petit coup d'œil aux requêtes qui sont ici sur le bureau. Donc voilà, c'est des requêtes donc delete pour le sujet PASSIM/919, la propriété CityThrough et insert toutes ces valeurs avec les nouvelles communes. Donc normalement, si je mets à jour mon jeu PASSIM, je verrai les nouvelles valeurs. Alors, voilà, c'est tout en bas. Donc je vois que maintenant, le prédicat PASSIM de .CityThrough pointe vers des communes du jeu de l'INSEE. Alors, si je veux vérifier que c'est effectivement la bonne adresse, je peux par exemple tester la commune 34202 avec un outil que j'ai créé, que j'ai appelé GeoCheck, qui sert à faire des tests des valeurs. Donc je teste l'identifiant 34202 et ça me renvoie Pignan, Pignan étant donc l'une des communes par lesquelles passe la TAM. Voilà, merci d'avoir écouté. Donc si vous voulez récupérer les deux programmes GeoCheck, Sesame Siri, le code source ou encore les fichiers des exemples, il faut aller à cette adresse. Merci.